Bonjour à toutes. Je tiens d'abord à remercier la FDFA pour l'organisation de cette journée. Je suis sociologue et je suis spécialisée à la fois sur les questions de droits des femmes et du handicap. Du coup, cette journée et l'action de la FDFA plus généralement me parlent particulièrement. Donc, je viens aujourd'hui présenter un petit ouvrage de synthèse que j'ai écrit sur handicap et travail. L'idée de cet ouvrage, c'était de dresser un état des lieux sur l'emploi des personnes handicapées, mais aussi sur les nombreuses politiques publiques qui existent en la matière et sur ce qu'on sait de leur efficacité. Et une de mes conclusions, c'est surtout tout ce qu'on ne sait pas de leur efficacité. Donc cet ouvrage se voulait comme un état des lieux initialement et il débouche surtout sur un appel à l'investigation empirique parce que les politiques en matière d'emploi sont sous-évaluées. On ne sait pas suffisamment bien ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et c'est un enjeu crucial pour la citoyenneté des personnes handicapées. Donc, pour dire peut-être quelques mots concrètement du contenu de l'ouvrage, donc j'ai à la fois des éléments empiriques, quantitatifs et qualitatifs sur la situation des personnes handicapées par rapport au marché du travail et sur le marché du travail. Donc je montre qu'il y a une double marginalité par rapport à l'emploi, c'est-à-dire une exclusion globale par rapport au marché du travail, et dans l'emploi, c'est-à-dire quand on est en emploi, on se retrouve très souvent dans des positions subordonnées, de moindre statut, etc. L'autre dimension de l'ouvrage consiste à interroger donc l'action publique et donc avec une analyse des politiques qui visent à la fois l'insertion professionnelle, le maintien en emploi. J'ai aussi un chapitre sur le travail protégé et adapté et la question de l'emploi accompagné. Et je termine sur un chapitre qui me tient particulièrement à cœur, où j'insiste sur l'importance d'étendre un petit peu la réflexion de l'action publique, parce que on a des politiques qui actuellement visent beaucoup l'insertion professionnelle et le maintien en emploi, en faisant un petit peu comme si la simple fourniture d'un emploi aux personnes handicapées était une réponse suffisante à la problématique. Et du coup, on ne se pose pas toutes les questions de qualité de vie au travail, de promotion professionnelle, donc toutes les questions de qu'est-ce qui se passe concrètement une fois qu'on est en emploi, quelle est l'expérience, comment progresser. C'est quelque chose qui me semble particulièrement important, et je développe l'idée sur laquelle, en la matière, il s'agirait de normaliser le handicap au travail pour en faire une composante habituelle de l'environnement de travail. Voilà, merci. Bravo.